Parlez-moi des enfants. Docteur Halsey. Vous êtes au courant de tout. Vous les avez enlevés. L'esprit des enfants est plus perméable à l'endoctrination. Leur corps supporte beaucoup mieux les transformations. Nous avons ainsi créé le soldat suprême. Et grâce à notre réussite, nous étions prêts lors de l'invasion Covenant. Docteur Halsey, vous changez l'histoire en votre faveur et vous le savez. Vous avez créé les Spartans pour écraser la rébellion humaine, pas pour lutter contre les Covenant. Lorsque les mondes humains tombaient l'un après l'autre, que mes Spartans étaient la seule chose qui puisse empêcher l'extinction de l'humanité, personne alors ne se préoccupait vraiment de savoir pourquoi ils avaient été créés. Vous estimez donc que vos choix sont justifiés. Mon œuvre a sauvé la race humaine. Pensez-vous que l'absence d'humanité des Spartans y a contribué? Que cherchez-vous? J'ai vu des espions de la marine avant vous. Mais vous, vous êtes différent. Les Spartans avaient des tendances légèrement sociopathes. Côté socialisation et verbalisation, ils étaient... Ils ont fait preuve d'une efficacité absolue en situation de danger. C'est moi qui ai fourni les outils qui ont permis tant d'efficacité. Mais est-ce que vous pensez que le Major a réussi parce qu'au fond, il était brisé? Que vient faire John dans cette histoire? Vous voulez le remplacer? Le Major est mort. Son dossier, lui, dit qu'il est porté disparu. Catherine. Les Spartans ne meurent donc pas? Votre erreur, c'est de considérer les Spartans comme du matériel militaire. Mes Spartans sont l'évolution des humains. Notre destin en tant qu'espèce. Ne les sous-estimez pas. Et surtout... Surtout, ne le sous-estimez pas. Thank you.
réveillez-vous. J'ai besoin de vous. Major, tout doux. Votre absence a été longue. Où sommes-nous ? Toujours à la dérive sur le Dawn. Pourquoi me réveiller ? Attendez, j'active vos systèmes de suite. Et modifiez votre combinaison pendant votre sommeil. Vous n'avez pas chômé. Activation des générateurs de gravité. En haut, Major. Utilisez l'ouverture manuelle. Comme au bon vieux temps. Prête à reprendre du service ? C'est la question que j'attendais. Les alarmes d'intrusion se sont déclenchées sur plusieurs ponts. Pour savoir qui nous aborde, allez voir sur le pont d'observation, 4 étages au-dessus. C'est peut-être des secours. Mais je parierai pas dessus. Immédiate. Demandons survivant à bord immédiat. Code Victor à bord.
longtemps. 4 ans, 7 mois et 10 jours. Quelqu'un aurait déjà dû nous trouver depuis le temps. C'est quoi ? Une forte énergie est détectée. Elle ne correspond à rien de connu. Le pont d'observation est encore loin. Il est juste au-dessus de nous. Cet ascenseur a l'air bien bloqué. Major, attention ! Certaines zones peuvent être dépressurisées ! Ok. Endommagé à ce point. On n'y peut pas le traire avec les Covenant. Il s'en passe des choses en 4 ans. En tout cas, il est sûrement pas seul. Restons sur nos gardes. Le dernier. Trouvez la commande des portes blindées. On doit voir ce qui nous attaque. La bonne nouvelle, c'est que ces Covenants ne sont pas en tenue militaire standard. Il est possible qu'on soit tombé sur un vaisseau de sauvetage isolé. Ou alors, nous sommes tombés sur toute une flotte Covenant. Ils nous ont peut-être pas reconnus. C'est une des possibilités. Navette d'abordage sur notre flanc. Quitter ce vaisseau. On a des problèmes plus urgents. Il y a un croiseur sur une trajectoire d'intersection. Rejoignez vite les ascenseurs. Les détecteurs n'avaient pas repéré des systèmes d'armement encore actifs. Si, mais comme le vaisseau a été coupé en deux, on ne peut plus accéder au poste de contrôle des armes. Il faudra les lancer manuellement de l'extérieur.
Les boucliers sont désactivés. S'ils ne les activent pas, ce missile va leur faire une drôle de surprise. On y est presque. La station de lancement auxiliaire devrait se trouver à votre gauche après les SAS. Vous devrez amorcer la séquence de lancement. C'est rien. Allez à la station de lancement. Major, vous devez trouver les commandes du missile. Ici.
Elle utilise un puits de gravité qui nous attire vers sa surface. Dépêchons-nous. Dès que nous franchirons l'horizon du dôme, son atmosphère nous réduira en pièces. Où sonnez la salle de sauvetage les plus proches. Derrière l'embarquement. J'ai repéré le sas le plus proche. Allez! De gravité. Vous pouvez suivre les nacelles. Négatif. Attention! Où sommes-nous? Vérification des coordonnées de l'impact. Vous avez dû renoncer à votre famille, à votre enfance, à votre avenir. Cortana. Désolé. C'est le crash. Ça va. Ça n'allait pas avant même qu'on quitte le Dawn. Major, je vais bien. Vraiment. Cortana. J'ai été mise en service il y a 8 ans. 8 ans. Major, une IA se dégrade au bout de 7 ans. Alcée. Major. Il faut trouver Alcée. Major, écoutez. Elle vous a créé. Elle saura quoi faire. Je n'échapperai pas à la frénésie, Major. Il suffit de rentrer sur Terre et trouver Alcée. Elle vous réparera. Major, ne faites pas de promesses que vous ne pourriez pas tenir. Il faut y aller! Les Covenants ne semblent pas avoir eu plus de chance que nous. Combien de vaisseaux ont réussi à passer?